Yo tout le monde, c'est MLG, on se retrouve pour un nouvel épisode de Paper Mario Color Splash et let's go pour la suite de l'aventure. Chose qu'il va falloir qu'on fasse tout de suite, c'est aller au temple Pierre Feuille Ciseaux. On y pense, j'y pense, alors on y va. Parce qu'on se rappelle que le champion était revenu, voilà. Donc on va se le faire le champion, et on va voir quelle carte on va gagner. Donc on se rappelle, il faut écouter ce que les deux Toads devant le temple ont à nous dire et essayer de la jouer fine. Ah, ça prend du temps à charger. Ça prend beaucoup de temps à charger, je trouve. Ah, ça y est. Très bien. Au passage, je vais en profiter pour récupérer un peu de ma santé. Je sais que là-bas, je peux. Bonjour, monsieur. Café Ravigote. Fais-moi voir ça. Oui. Merci. Ah oui, et au final, la dernière fois, j'avais vu que ça me redonnait que 50 points de vie. Là, ça me donne 75. Donc ça veut dire que ça me redonne autant de points de vie que ce que je peux avoir comme point de vie. Alors toi, concurrent du premier tour et petit héron, il utilise toujours la carte qui lui ressemble le plus. Donc, Pierre aime jouer des points et il peut donner des buffs aussi. Donc c'est point aussi. Ok, on va rentrer. Oui, je veux tenter ma chance. Donc la dernière fois on avait fait point, point et ciseaux il me semble. Hein. Je sais plus exactement. Bon, en tout cas on va passer tout ça. Alors on passe. Prêt. Enfin il utilisait point. Donc nous on doit utiliser feuille. Go. Voilà. Ça va pas trop dur. 300 pièces. Je sais pas qu'est-ce que je vais en foutre de ces pièces. J'espère que plus tard dans le jeu. Bon, je pense que oui, hein, et puis vous me le confirmerez. Je pense que plus tard dans le jeu, il y aura des choses que je vais devoir acheter qui coûtent très cher. Donc on verra. Ok, donc on va réutiliser papier parce qu'apparemment il aime bien utiliser ses points pour foutre des baffes ou foutre des baffes. Donc voilà. Très bien. Il n'y a plus qu'à gagner cette manche là et techniquement on devrait avoir une nouvelle carte. Alors par contre et la dernière manche c'est de l'aléatoire. Donc je sais pas si. Alors attends. Voilà c'est ça. Baisse la lumière, il approche. Mesdames et messieurs, celui que vous attendiez tous. Le Digimage. Place au troisième tour. Mario contre Digimage. Messieurs, à vos cartes. Donc là, je vais utiliser... On va voir si ça va être bon. Je sais pas ce que je vais utiliser, donc on va voir. On croise les doigts. Ah ! Oh, égalité et concurrent, recommençons. J'ai utilisé ciseaux lui aussi. Je m'en fous, je réutilise la même carte. En espérant que l'ordinateur soit pas si con. Enfin, soit. Plutôt con, on va voir. Ah, il m'a bien baisé la gueule. Il m'a bien baisé la gueule. Bien joué, Digimage, bien joué. Bon, bah c'est pas grave, on réessayera une autre fois. On va pas s'embêter à aller chercher... Bon, oui, blablabla. On va pas s'embêter à aller chercher une étoile pour revenir. Oui. On va enchaîner, d'accord. Même si je sais que je pourrais faire des coupures pour que ça aille plus vite. J'ai pas gagné, voilà, j'admets ma défaite, je reviendrai plus tard pour te faire ta fête. Mais en attendant, nous, on va retourner, quoique dans la forêt ça sert à rien dire, ah si, on va retourner dans la forêt pour aller voir le, bah le, ah comment il s'appelle, c'est pas le chef, c'est le professeur, on va retourner voir le professeur, clac.
Donc évidemment, là pour le coup, on va vraiment essayer d'esquiver le plus possible tout ce qui est ennemi. Oh bah ils y sont plus. Ah si, je me disais bien. Waouh, on se casse. Il était là, c'est très bien. Parce que toutes ces parties-là, pardon, on l'a déjà fait, donc. Tant qu'à faire, autant d'essayer d'aller le plus loin tout de suite. Pour trouver ce que le professeur a à nous dire. Ouais, faut aller au-dessus déjà. Peut-être récupérer ce qu'elle a dedans. Oups. Dan. Ah oui, ça je veux. Ouais, quand t'as des boîtes pour interrogation, je vais quand même essayer de faire l'effort de péter les boîtes parce qu'on peut récupérer des grosses cartes. Parce que même plus tard, si on n'aura pas de géant devant nous, des cartes géants comme ça, ça peut faire très mal. Hein. Ok. Il est là. Descends de là. Ma chompinette. Excusez-moi. Pardon de vous interrompre dans vos gémissements plaintifs, mais seriez-vous le professeur par hasard? En fait, on cherche le professeur des vieux machins poussiéreux. Oui, c'est bien moi, le professeur des vieux machins poussiéreux. Mais je n'ai pas le cœur à parler de ça pour l'instant. Ma chompinette a disparu. Rien d'autre n'a d'importance. Regardez juste là. C'est la chaîne que j'utilise pour la promenade de mon bébé d'amour. Sniff. Mais qu'elle soit, j'espère... Où qu'elle soit, j'espère seulement qu'elle va bien haut, ma pauvre chompinette. On vous aidera bien, mais... c'est qu'on est un peu occupé. On doit retrouver toutes les étoiles de couleur. Elle connaît le chemin pour rentrer, votre chompinette? Si ça se trouve, elle vous attend à la maison. Mais bien sûr, c'est tout à fait probable. Elle a dû rentrer, tout simplement. Ma chompinette ne se contente pas d'être adorable, vous savez. Elle est aussi drôlement maligne. Elle est forte, elle est forcément à la maison. Bien, veuillez m'excuser, mais je dois y aller. Je suis impatient de retrouver sa petite frimousse. Chompinette, ne bouge pas, j'arrive. Eh bien, il a l'air remis d'aplomb. Faut espérer que Chompinette l'attende vraiment à la maison. Ok, bon, en attendant, ce qu'on a fait, ça servait à rien de revenir ici, quoi. Est-ce qu'on peut la prendre? C'est bien la chaîne, va pas t'encombrer avec ça. Laisse-la ici pour le moment. C'est dommage. Bon, à mon avis, tu vas voir qu'il va me demander d'aller chercher là, ce qu'il faut, quoi. Donc ouais, il manque quand même pas mal de couleurs, mais il y a des endroits qu'on n'a pas accès pour l'instant, donc on verra plus tard. On va récupérer ce qu'on peut récupérer ici pour le moment. Voilà. Ok. On va essayer de retourner voir s'il est là-bas. Je pense pas que la chompinette soit revenue, mais moi je pense plutôt que la chompinette a été prise par Kamek ou par l'un des sbires de Kamek, hein. Et du coup, elle est transformée en méchante. Enfin, c'est ce que je pense. On verra bien. Alors, tiens, salut Mario. Le professeur est rentré. Il a l'air tout guilleret. Mais je me demande ce qu'il a fait de Chompinette. Elle n'est pas rentrée avec lui. Il est où l'autre? Ah, il est là. Ma chompinette, comment me résoudre à te dire adieu? Bouhou. Remettez-vous, professeur. Elle n'est pas perdue, votre chompinette. Vous voulez m'aider à la retrouver, c'est ça? C'est si gentil à vous de mettre votre quête des étoiles de couleur de côté pour concentrer tous vos efforts sur ma chompinette. Prenez ça, vous en aurez besoin pour accéder au site de fouille. Je ne vois pas ce que mon bébé y ferait, mais il faut négliger aucune piste. Oh, son absence me ronge, elle me ronge, bouhou. Alors, permis de fouille. Ok, j'ai le permis de fouille, par contre je sais pas où l'utiliser ce permis de fouille pour l'instant. Donc bon, on va retourner à la carte. J'ai le permis de fouille, c'est déjà ça. Donc il y a sûrement un endroit... Ah, c'est peut-être au-dessus. C'est peut-être là. Vallée Marmelade. Écoutez, on va tenter. C'est peut-être par ici qu'il faut aller. Pour utiliser le permis fouille. On va voir ça.
On est déjà à 10 minutes. Waouh. Pour la musique là. Okay. Peinture verte. Je viens de parler juste après, mon petit Todd. Hein. Laisse-moi le temps. Salut Mario! Ma vieille locomotive adorée arrive en fin de vie. Son prochain voyage sera le dernier. Je suis triste de devoir me séparer d'elle. Mais elle a fait son temps. Ah bah si elle a fait son temps. Tu as vu ce train? Quelle classe! Je pourrais rester là à l'admirer pendant des heures. Plus je regarde cette locomotive, plus je la trouve géniale. D'après le chauffeur, sa prochaine destination est le temple Kiwano. J'ai hâte. Ok. Cette planche est pas très bien colorée. Hein. Vas-y. Voilà. Il y a pas mal de tâches là. Hein. Ok. Et celle-là, je l'ai vue aussi. Tu me la fais pas à moi. Très bien. Par ici, qu'est-ce qu'on a? Oh. Salut Mario! Regarde, on a trouvé un fossile extrêmement rare. Il ne reste plus qu'à le déterrer en suivant les indications du professeur à la lettre. Ah ouais, je peux descendre. Okay. J'étais en train de me dire pourquoi je suis tombé. Et là, je peux tomber. Là, je peux pas tomber. Là, je peux descendre. Ok. Oh, reste là. Non. Il va m'écraser, non? Comment je fais de ce côté-là? Bon, il y a une carte ici, je sais pas comment la voir. Tant pis. On verra plus tard. Désolé, mais personne ne peut entrer sans permis. Ah bah voilà, il sert donc bien à ça. On a trouvé un fossile extrêmement rare. Alors, on ne peut pas laisser des amateurs se balader par ici. Tu risques d'ailleurs de piétiner un précieux fossile. Si tu veux rentrer, il faut que tu demandes un permis de fouiller au professeur. Tu devrais le trouver au domaine Chanterelle. Figure-toi qu'on a un permis, montre-le lui, Mario. Ah, tu as un permis. C'est bon, tu peux entrer, bonne visite. Hey, yeah! C'est pas trop tôt, j'ai hâte de voir ce fameux fossile de plus près. Mais il ne faudra pas non plus oublier les étoiles de couleur. Et si j'allais à la chasse aux fossiles pendant que tu vas voir par là-bas, qu'en dis-tu? Prends l'ascenseur pour accéder au chantier de fouilles. Oh, et regarde bien où tu marches. On a eu pas mal de tremblements de terre ces derniers temps. Aïe. Donc on va se faire des... Il va y avoir des trous, on va faire attention. C'est pour monter, mais attends, moi j'ai vu ça, moi. D'abord m'occuper de cette tâche. Mon écran est hyper sombre. Je sais pas si sur la vidéo ce sera hyper sombre comme ça, mais... Je vois quasiment rien. Là. Ouh. Ah ok, y'a rien. Eh, ça va pas la tête. T'essaies de provoquer un éboulement avec ton marteau ou quoi? Les fossiles sont fragiles, alors on les manipule très délicatement. Y'a moyen de faire un truc ici avec ça ou pas? Non. Oui, je le sais ça, merci. Ouais, bah par là y a pas grand chose à faire. Donc on va prendre l'ascenseur. Il est où l'ascenseur? Il est là. Nice. Ok, à cet étage là, qu'est-ce qu'on a? Oh, Mario, tu es venu admirer le fossile? Si tu veux le voir de plus près, passe par ce trou et emprunte les échafaudages. Ok. On n'a rien à faire là. Alors, est-ce qu'on voit de l'autre côté qu'est-ce qui se passe? Ah, des taches. Ah non, c'est pas des taches, c'est de l'eau ça. Ça, c'est de l'eau? Je peux retourner ces flaques? Non. Ouh. Hé, t'as senti cette secousse? Ah oui, on la sent bien, là. Wouah! C'était quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ok, tâche. Oh, il y a des Skull Rex. Première fois qu'on voit des Skull Rex. Ça fait plaisir. Ok, pour l'instant, les Skull Rex sont un peu teubés. Ils me voient pas. C'est pas plus mal. Ah si, ça y est, lui, il m'a vu. Raté, mon pote. Laisse-moi peindre un petit peu pour l'instant, j'aime bien la peinture. La secousse a fait s'effondrer les échafaudages. A bien y regarder, on dirait presque qu'une créature géante leur est passée au travers. Oh merde.
Bonjour toi. Tiens. Non. Bon bah tant pis. On va jouer avec les Scolarex. On va voir ce que ça donne. Oula. En tout cas ça lui a fait énormément mal. Juste mon saut comme ça, ça lui a fait très mal. Donc on va juste utiliser cette carte là. Ça devrait largement suffire pour les destroy. Hein. Voilà, excellent. Ah d'ailleurs, à mon avis, il faut les péter tous les trois d'un coup. Sinon ils vont se réveiller et du coup ils seront imbattables. Parce qu'un Skullrek, quand on lui saute dessus, ça se transforme en os comme ça là. Mais ça revient à la vie après. Est-ce qu'il va se transformer en os là? Je sens qu'il va pouvoir se remettre sur lui-même et revenir m'attaquer. Donc en gros ce sera un truc sans fin avec ça. Donc on va pas s'amuser à les battre tout le temps. Ouh, des pièces, merci. Yeah. Une carte fleur de feu. On a... Ouais, il y a peut-être un moyen de les détruire aussi, les Skullrex, avec la fleur de feu. Mais on verra. Bref, on va redescendre vite fait là. Bref, vous voyez le Skullrex là-bas, il est revivant. Bon, bah on va faire attention. On va faire tomber ça. Oh, c'est comme ça qu'il faut les vaincre. Ah ah! Très bien, très bien. C'est intéressant ça. Pour vaincre ce Skullrex. Vas-y, mets-toi derrière. Bam! Ok, oh! Oh! Y'a pas un autre bloc caché? C'est marrant ces blocs cachés là. Ouais, enfin bref. Attends. Mais je fais quoi là? Non. Casse-toi Skullrex. Comment je fais pour passer de l'autre côté maintenant moi? Ça? Non. De toute façon je peux pas y aller là. Hein. Donc on va ressortir, on va voir. Il est en pleine panique là le Toad là-haut. Ok, bon bah je vois pas trop par où faut passer là. Parce que par là-bas ça change rien, d'accord. Ils sont toujours en train de déterrer la chose. Je vais repasser par là-bas, je vais revoir. Parce que ça se trouve j'ai mal utilisé ça. On va voir si c'est bien ça que j'ai mal utilisé. Le temps passe, le temps passe. Ici on n'a rien à y faire, d'accord. Faut peut-être tuer tous les Skullrex, hein. On va voir. Vas-y, viens là. J'ai l'impression que lui je vais avoir un peu de mal. Hein. Ah non, c'est bon. Tiens. Non, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Ok, je fais comment pour monter là-haut moi maintenant? Comme ça? Non. Bon alors, est-ce que t'as quelque chose à proposer comme ça? Non. Non, t'as vraiment rien, hein. Tu proposes rien du tout. Ah, passer par là. Ah ouais, ok. Passer par là. Très bien. Lorsque le Rex. Voilà, tu dégages. Très bien, très bien. Ouh, il y a des griffes là. Qu'est-ce que c'est? Une tâche. Une tâche. Un bloc. Une petite carte Pow. Pas mal. Ok. Ouais, on va dire qu'il y a un gros monstre, nanana. Ça se trouve, elle est encore dans le coin. Ça fait froid dans le dos. Ça se trouve, c'est son champinette, là. On va savoir. Donc là, normalement, on est dehors sur l'échafaudage. Voilà. Mario, le tremblement de terre a fait s'effondrer une partie de l'échafaudage. C'est la panique sur le chantier. Ouh, rebond par deux. Ok. C'est genre le genre de carte que j'utilise pas énormément. Ok, donc t'as le train qu'il y a ici. Par contre, je vois qu'il y a un truc en dessous, là. J'aurais dû descendre et regarder ce qu'il y a. Bon, moi, j'ai gagné des points de vie. Je m'en fous, je descends. Je vais voir après. Ah, oh, c'est juste pour ça. Fuck, faut que je refasse tout le tour. Au moins, j'ai vu ce que je voulais voir. Ouh. Ah, mais du coup, faut juste faire ça. Ah ouais, maintenant que je le sais. Ok, super. Allez, go, on y retourne. Ascenseur, please. Voilà.
Voilà. Monte, please. Ok. Ça va, le niveau est plutôt sympa. Ça change des niveaux colorés tout vert qu'on a l'habitude de faire ces derniers temps. Enfin, je reste quand même assez curieux de savoir comment le sceau a réussi à enlever toute la peinture noire la dernière fois. Hein. Ça date d'il y a un moment maintenant. Je sais pas si vous vous rappelez, le Banzai Bill qui est tombé du ciel. Et il y avait de la peinture noire vraiment partout. Je sais pas comment il a fait. Et je me pose toujours la question. Alors, on va d'abord aller là. C'est terrible, le tremblement de terre a provoqué un éboulement et... Ah oui, il y en a qui sont prisonniers des débris. Comment ? Il n'a pas l'air d'y avoir d'équipe de sauvetage en coin, Mario. Vite, allons l'aider nous-mêmes. Ok, on va l'aider nous-mêmes. Tiens. Là, tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il y avait un autre éboulement. Un Toad a été emmuré vivant juste au-dessus de nous. Emmuré, c'est pas terrible, mais vivant. C'est plutôt une bonne chose. Alors, il faut vite le sortir de là. Ok, on va faire vite. Un truc à me dire, toi. Une partie de l'échafaudage a été détruite, mais on peut... Nanana, il suffit de faire un petit détour en empruntant le passage juste de la bonne chance. Ok. S'il me dit bonne chance, c'est que ça veut dire qu'il va y avoir des merdes. Hein. Oui, d'accord. Oh là, faut aller de l'autre côté pour péter ça. Oh, pas cool. Allons voir ce qu'il y a par ici. Donc. Ok. Oh, mais c'est quoi ça? Doucement, doucement. Voilà, ça c'est fait. Bon. Lui, on va le péter vite fait, bien fait. Non! Raté mon coup. Et il y a encore ce. Oh, ils sont trois en plus. Et qu'est-ce qu'il va me faire dans mon gamepad? Qu'est-ce que tu vas me faire? Laisse-moi regarder mes cartes. J'ai un pied là, un marteau là. Ok, donc si elle change mes cartes. Elle a changé toutes mes cartes. Elle les a tous retournées. Ok. Alors, on va utiliser. Merde. On va utiliser cette carte là. Et on va tenter celle-là. Je sais absolument pas c'est quoi comme carte. Hein. La première c'est un marteau, les autres je sais pas. Oh, rebond, c'est de la merde. Excellent, vas-y, pète-moi ce qu'il y a derrière aussi. Ah, presque. Bon bah, l'autre il va pouvoir nous attaquer. Hein. Ok, vas-y, attaque-moi. Ok, protège-toi aussi Mario, ce serait pas mal. Alors par contre, voilà, je vais utiliser celle-là parce que bah, j'en ai pris une au pif encore une fois. Ah, bon bah, un coup de marteau. Hein. Bien, mais ça lui a absolument rien fait. Purée. Du coup ça. Ah, double marteau, bon bah c'est bon, il est mort. Putain. C'est vrai que vu qu'elles sont pas colorées, mes cartes... Oh là là, ça va être la merde. Je prends de la première carte, je sais plus ce que c'est. Je suis con parce que je peux utiliser deux cartes d'un coup aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Ok, bon bah c'est bon, il est mort avec ça. Voilà. Ah là 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 là. Ah, j'ai perdu tellement de cartes. Et j'ai perdu beaucoup de points de vie aussi. Hein. Très bien. Kamek, c'est la pire chose qui soit. Donne-moi de la peinture, toi. Voilà. Ok, on a des Kamek. Enfin, on a des Skullrex, là. Mets-toi pas trop loin, là. Tiens. Voilà, ça, on n'en parle plus. On va repeindre ça. Ok. On peint ça. Super, merci. On n'a rien ici. Ah, peut-être passer par là. Attends. Voilà. Ça, ça me plaît. Waouh! Non! Oh, des souris! Très bien, messieurs, dames. On va s'amuser un petit peu ensemble. Go! Une seule carte devrait me suffire. Enfin, j'espère. La vache, ils résistent aux boules de feu, ceux-là. Hein. Pas les souris, mais eux, oui.
Waouh! Ah, ils sont résistants quand même. Hein. Faut pas rigoler avec eux. Donc, on va. Utiliser cette carte un peu moisie. Et bah voilà, deux cartes bien moisies. Ça devrait aller. Voilà, j'aime pas du tout cette carte. D'ailleurs, j'aurais dû tester cette carte parce que ça se trouve elle est excellente, mais pour moi j'ai l'impression qu'elle fait moins mal que les autres cartes. Peut-être que si j'utilise jusqu'au excellent, donc j'appuie sur A à chaque fois que je tombe dessus, peut-être qu'elle est vraiment plus puissante qu'une carte de saut classique, mais j'en ai pas l'impression. Ouh, Goombos! Goombos, j'ai récupéré la carte Goombos, pourquoi pas. Ok, il y a un Toad là-haut. On repeint ça. Ok, mais je passe par où maintenant? Monsieur, dites-moi tout. Dites-moi tout, monsieur. Je ne sais pas par où passer maintenant. Faudra que je puisse monter, mais comment? Tu me l'expliques, s'il te plaît. Parce que là, je peux pas monter, on est d'accord. Ok, il n'y a rien à faire, là. Peut-être là. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire ici. Non. Ah, là-haut. Bah oui, là-haut. Ok, on va d'abord emmurer ça. Hop, on tape là-dessus et on récupère les cartes qui ont été drop. Ok, très bien. On va attendre que l'ascenseur revienne. Enfin, que la plateforme, voilà. Et on y retourne. Go! Il va falloir qu'on trouve aussi un petit point de sauvegarde rapidement. Alors, on peut passer au-dessus, mais on peut passer en dessous aussi. Non! Non! Bonjour, Toad. Je n'ai pas eu le temps de déjeuner, alors je mange sur le pouce. Ne le dis à personne. Oh, champignon one-up, merci. C'est toujours agréable. Alors lui, je peux pas le buter. Hein, parce qu'il n'y a rien pour le buter. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une grosse tache, donc il va falloir qu'on se la repeigne, cette tache. Go! On monte là-dessus, on se met par là. Ah bah, il y a un petit point de sauvegarde ici, c'est nickel. On va le prendre. Avant, on va repeindre ça. Voilà. Et on peut y aller. Ok, nice. Donc moi qui parlais d'un point de sauvegarde, ça tombe vraiment à pic. Hein. Parce que le souci que j'ai là, c'est que je devais faire un épisode d'une... Non mais... Regarde la télé, regarde pas l'écran du PC. Je devais faire un épisode de 30 minutes max. Parce que... au-delà de 30 minutes, bah... Oh, ouais, je pouvais taper le mur aussi, non? Il y a peut-être un truc dans le mur. On va parler au Toad avant. Tu vas aider le Toad coincé dans la paroi rocheuse? Merci et bonne chance. Clac! On sauvegarde avant. Nice. Bon, bah c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. J'espère que cet épisode de Paper Mario Color Splash vous aura plu. Prochain épisode, on va délivrer le fameux Toad. On va sûrement voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce fossile, parce qu'en le délivrant... Je suppose qu'on va pouvoir déblayer toute la paroi qui cache le fossile. Une connerie dans le genre. Ou alors on va peut-être trouver Champinette, je sais pas. Si ça se trouve, c'est elle qui provoque les éboulements. Allez savoir. Enfin bref, je sais pas comment ça va se passer vu que le jeu je le découvre. Comme je suis en train de... Voilà, comme je vous l'ai déjà dit. Je sais plus ce que je voulais dire de plus. Bref, bon, du coup, de toute façon, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. Portez-vous bien et à bientôt. Bye.